Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons lire un livre intitulé « Le garage de Gustave ». C'est un livre écrit par Léo Timmers. Belle journée pour se mettre au boulot. Mais que va faire Gustave du tas d'objets qu'il a en trop? Salut Rico, alors ça roule? Gustave, ma selle me met les nerfs en boule. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé, voilà qui devrait te contenter. Coucou Gina, comment ça va là-haut? Il fait frisquer, Gustave. Il me faut de l'air chaud. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Mon pauvre Arthur, tu vas finir par te déshydrater. Gustave, j'ai l'impression que ma peau est en train de brûler. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Madame Manchot, elle est loin d'être heureuse, votre situation. Gustave, j'ai besoin de toute urgence d'une climatisation. Avec quoi pourrais-je bien vous dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait vous contenter. Hé Henri, tu as l'air tout penaud. Gustave, j'avance à la vitesse d'un escargot. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Quelle journée! Il reste à Gustave une dernière tâche à accomplir. Prendre une bonne douche, car il n'a pas manqué de se salir. Y a-t-il encore quelque chose qui pourrait lui servir? Vraiment plus rien? Ah, mais si, enfin! J'espère que tu as apprécié la lecture du garage de Gustave. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.